Bonjour, vous êtes au Prévert et on va vous faire une petite recette, une salade de pastèque grillée à l'aubergine. Alors pour cette recette, eh bien, on a besoin d'une romaine. Là, il y a des aubergines, une échalote, la pastèque bien sûr, un peu de vinaigre, de l'huile. Et puis, moi je mets un peu de poudre de paprika. Dans l'assaisonnement. Pour faire la salade, on prend des aubergines entières, on les coupe dans la longueur. Comme ça, on fait des tranches assez épaisses et on les coupe de la même épaisseur que les aubergines. On va les couper dans la longueur pour pouvoir les poêler après. On enlève les bords. On va mettre les aubergines. On met de l'eau à mi-hauteur. Voilà. Là, on met un petit peu de sel dessus. Un couvercle. Et on laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Alors, pour l'assaisonnement, on va faire une petite vinaigrette avec des échalotes ciselées. Tac. Pleurer. C'est bien là. Voilà, un petit peu de vinaigre. En fait, c'est une cuillère de vinaigre pour 3 d'huile. C'est à peu près la Voilà, moi je fais ça au pif, mais voilà, on prend un peu de paprika, on mélange, et après on mélange l'échalote avec la vinaigrette. Bon, là, ce qui est bien, c'est de la laisser mariner une demi-heure, quoi. Donc là, il n'y a plus d'eau dans la poêle. Voilà, on retourne les aubergines une fois qu'elles sont dorées. Voilà, à côté de ça, on va donc préparer la romaine. La romaine. Ah. Donc en fait, comme il faut que quelques feuilles de romaine. Voilà, on prend les romaines, les plus belles romaines, et on les coupe en deux. Là, on voit plus rien, là. Ah ouais, j'ai le doigt devant. Voilà, une fois que c'est cuit, on les met dans une assiette. Voilà, donc maintenant, on va poêler les aubergines, les pastèques. Les pastèques sont là, on sale. Après, on va dire une minute de cuisson. On retourne. Donc, au bout d'une, on va dire d'une autre minute de cuisson, on va arrêter la pastèque. Donc là, on va installer la romaine dans l'assiette. On va installer donc une tranche d'aubergine. Voilà, la pastèque. On ajoute au dernier moment beaucoup d'échalotes.
Et donc la romaine, ça s'assaisonne un petit peu. Et donc pour couvrir, on poudre avec un tout peu de paprika pour décorer. Voilà.